Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 17 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, on va terminer la première saison avec Lyon, avec un match contre Nice, un match contre Monaco, un match contre Lorient et un match contre Reims. On peut voir au classement qu'on est à égalité de points avec Paris, mais on a un match de retard. On a donc une petite avance sur les Parisiens pour le titre. Il ne faudra pas perdre dans cette vidéo pour être champion et ne pas perdre. Ça se joue directement avec le premier match contre Nice. On voit que les joueurs sont fatigués après un calendrier compliqué dans la dernière vidéo. Le match contre Nice qui se joue donc à domicile. Et ça va bien commencer pour nous à la 5ème minute de jeu avec Umtiti qui se bat au physique. Il sert parfaitement Valbuena qui frappe à l'entrée de la surface de réparation mais il ne cadre pas son tir. Alors que c'était une bonne situation, on ne parvient pas à ouvrir le score dans ce match. On retrouve Valbuena à la 21ème minute de jeu sur corner. Il centre pour Maxime Gonalon qui place une tête mais très bel arrêt réflexe du gardien de Nice. Et au retour des vestiaires, Lacazette récupère une balle, il la passe pour Bovu qui contrôle et frappe. Mais magnifique arrêt du gardien une nouvelle fois. Nice qui va se créer une occasion à la 52ème minute avec ce centre pour Valère Germain. La tête est arrêtée par Umtiti. À la 58ème minute de jeu, Claudio Bovu est lancé en profondeur par Alexandre Lacazette. Il s'arrête et la remet à l'attaquant qui rate son duel. La défense réussit à repousser la balle. À la 66ème minute de jeu, on va avoir une belle occasion avec Yanga Mbiwa. Qui monte, il sert Valbuena en profondeur, qui rentre dans la surface de réparation et décerne un caviar pour Claudio Bovu qui vient ouvrir le score. Enfin, 1-0 à la 69ème minute de jeu. But du Guadeloupéen Claudio Bovu sur un très bon service de Mathieu Valbuena. Le gardien était battu, 1-0. Et à 10 minutes de la fin du match, Raphaël effectue une très bonne transversale vers Maxwell Cornet qui venait d'entrer en jeu. Le contrôle de l'attaquant est bon, il se retourne et va aller servir Corentin Tolisso qui était monté. Tolisso qui élimine un défenseur, frappe mais but. Le gardien niçois qui sauve une fois de plus les siens et leur permet encore de croire à une victoire. Mais à la 85ème minute, Valbuena sert Claudio Bovu qui vient mettre le but du 2-0. Doublé pour l'attaquant guadeloupéen. Deux passes décisives pour Mathieu Valbuena et c'est pas fini. Bovu le retrouve dans le temps additionnel. Il est seul face à la défense niçoise, effectue un dribble mais sa frappe est dévissée et elle part n'importe où. Victoire 2-0. On réussit à prendre les 3 points contre Nice. 3 points qui seront très importants dans le sprint final alors qu'il ne reste plus que 3 matchs désormais et qu'on peut toujours être champion de Ligue 1. On peut voir que Bovu a fait un excellent match avec ses deux buts, une note de 8,6. Il est nommé homme du match. Mathieu Valbuena qui a fait les deux passes décisives a une bonne note de 7,1. Victoire 2-0 contre Nice. Prochain match contre Monaco, il faudra une nouvelle fois s'imposer pour continuer notre course au titre. Et on va voir que Monaco vient à Gerland avec une composition très défensive avec seulement un attaquant en pointe. Il faudra se méfier de cet attaquant qui est Alexandre Pato et c'est le meilleur buteur du championnat. Le match commence bien pour nous dès la 3ème minute avec cette frappe de Grenier et bel arrêt de Subasic. A la 6ème minute de jeu, on retrouve Grenier cette fois-ci à la passe pour Fekir. Il réussit à entrer dans la surface, élimine un défenseur et frappe, mais un autre défenseur contre la balle en corner. Et on est toujours dangereux sur le corner tiré par Valbuena, la tête de Mandi qui arrive juste à côté du poteau. Les Monégasques qui ont choué en ce début de match et on met la pression sur leur but. Mais on va voir qu'à la 25ème minute de jeu, Joao Moutinho tire la balle dans la surface de réparation et l'arbitre va donner un pénalty aux Monégasques. Pour une main de Grimaldo. Et c'est Alexandre Pato qui va tenter de marquer face à Nardi. Et c'est chose faite avec une Panenka. Nardi qui est d'ailleurs un gardien prêté par Monaco. Un but non mérité par les Monégasques au fil de la rencontre. Et on va tenter d'égaliser tout de suite avec Gonalon. Le capitaine qui sert parfaitement Serge Dardère qui frappe à l'entrée de la surface. Mais son tir passe au-dessus de la transversale. On voit ici son tir qui n'est pas cadré. À la 71ème minute de jeu, Gabriel a un peu de chance avec un compte favorable. Il centre pour Grenier. Mais bel arrêt du gardien sur ce centre. Et sur la touche, à la 74ème minute, Serge Dardère, une nouvelle fois, tourne autour de la surface de réparation. Il redonne à Grimaldo en arrière. Grimaldo qui tente un centre pour Gabriel qui place une tête. C'est trop timide pour inquiéter le gardien. Fin du match. Défaite imméritée contre les Monégasques. On a plus du double de frappe qu'eux. Et ils sont venus avec une composition très défensive. Mais heureusement, on reste à égalité de points avec le Paris Saint-Germain qui a perdu contre le CFC d'Ajaccio. Prochain match contre Lorient, il ne faudra pas perdre cette fois-ci. Bovu et Lacazette sont alignés en attaque avec Valbuena. C'est parti pour le match. La première occasion qui est pour nous à la 12ème minute de jeu avec Bovu qui part. Il élimine un joueur dans la surface de réparation et vient marquer le but du 1-0 d'un tir pointu dans la lucarne. Un très beau but de notre attaquant. 21ème but, toute compétition confondue pour Claudio Bovu. Mais au quart d'heure de jeu, regardez ce bug de la défense là. Umtiti qui passe en dessous de la balle sans la prendre. Et ça va créer une occasion pour les Lorientais. Mais heureusement, Lopez réussit à repousser la frappe. À la 23ème minute, Raphaël efface un joueur. Il donne la balle à Bovu qui sert Lacazette. Mais malheureusement, Lacazette qui bute sur le gardien. Un bel arrêt de Lecomte. Le jeune gardien, l'Orienté. On voit ici qu'il avait la place pour marquer un but. Mais malheureusement, c'est repoussé. Et sur le corner,
tiré par Valbuena. Yang Mbiwa place une tête, c'est repoussé, mais la deuxième tête est repoussée par la défense. On pousse et on n'arrive pas à marquer le but du break. Et les Lorientais qui vont finir par égaliser à la 41e minute. Lavin fait un festival dans la défense, frappe d'abord sur le poteau, mais réussit à marquer ensuite dans le but vide. Un partout, égalisation des Lorientais. Et on paye notre manque de réalisme devant le but. Juste avant la mi-temps, on va avoir un corner tiré par Valbuena. Yang Mbiwa une nouvelle fois place une tête, mais très bel arrêt du gardien. Et sur l'autre corner, c'est cette fois-ci Beauvu qui place une tête qui passe au-dessus. À la 56e minute, on a une touche avec Raphaël. 1-2 et un centre pour Lacazette, mais sa tête est à côté. Ferry à la 76e minute de jeu rate une première passe, mais ensuite il se bat pour récupérer la balle. Et ça va payer puisque Lacazette va aller marquer un but somptueux. Et c'est comme dans la vraie vie, il faut savoir que Ferry n'a pas forcément de qualité naturelle, mais il se bat à chaque fois et travaille pour regagner sa place de titulaire. Et donc voilà, sinon un beau but avec une très bonne frappe de Lacazette qui nous permet de mener 2-1. On reprend l'avantage dans ce match. À la 85e minute, Rose a une touche, il la met en arrière et va aller centrer pour Lacazette qui place une nouvelle tête, mais c'est sur la barre. Et à la 89e minute, Valbuena élimine un joueur et frappe à l'entrée de la surface de réparation pour le but du 3-1. On va donc s'imposer avec une bonne avance grâce à ce but à la 90e minute. On voit ici la fin de frappe qui élimine le défenseur et le tireur à terre qui rentre grâce au terrain mouillé. Victoire 3-1 contre Lorient. Une victoire méritée avec 11 tirs pour nous, 7 cadrés, 5 tirs pour Lorient, 3 cadrés. Jordan Ferry qui est nommé homme du match avec une très bonne note de 8,2. Valbuena le suit avec une note de 8 pour son but en fin de match. Victoire 3-1 contre Lorient. Dernier match de la vidéo et dernier match de la saison. Il nous faut un point pour être champion. Une égalité suffira contre Reims. Voici la composition d'équipe avec une équipe assez remaniée. Les joueurs sont assez fatigués, ça va être compliqué. Mais la motivation est là et on veut gagner le 8e titre de champion pour Lyon. C'est parti pour ce match. On l'a fait, on est champion de Ligue 1, on a réussi à tenir le match nul, on ne peut avoir que de regrets dans ce match, que ce soit Darder et non pas Gonalon qui ait soulevé le titre, car Gonalon n'a pas joué, il était trop fatigué pour le match, et on peut aussi regretter de ne pas avoir fait un très bon match, mais sinon le titre est là et c'est le plus important, on obtient donc le 8e titre de champion de France pour Lyon. On obtient une belle somme d'argent pour notre futur mercato, même si le plus important est d'avoir été sacré champion, il faut préparer la saison prochaine. On va donc faire un résumé de notre saison. On a joué 58 matchs, 39 victoires, 8 nuls, 11 défaites, 96 buts marqués, 44 encaissés. Notre plus lourde défaite était en début de saison contre Paris 6-1 au trophée champion et notre plus grosse victoire 4-0 contre le Stade Rennais. On a donc bien réussi nos objectifs en étant sacré champion, c'était notre objectif. Et on devait atteindre les demi-finales de Coupe de France et on allait en finale et on s'est malheureusement fait éliminer. Voilà le classement, on termine à 1 point devant Paris. Et ils avaient une meilleure différence de but, donc c'est un tout petit point qui aura fait la différence. Derrière Paris, on retrouve Monaco, Marseille, Bordeaux. La SSE est 6e et ils ne participeront donc à aucune Coupe d'Europe.
les relégués qui sont Bastia et Ajaccio. Le meilleur buteur du championnat est Alexandre Pato, le joueur de Monaco a marqué 20 buts en championnat. Donc c'est pas beaucoup comparé en vrai où les joueurs arrivent souvent vers les 30 buts. Le meilleur passeur du championnat est Cheick Diabaté à égalité avec Valère Germain, 9 passes décisives et 2. Et on retrouve donc Valbuena. Lopez est le deuxième gardien à avoir effectué le plus de clean sheets. 16 matchs sans encaisser 2 buts. Il est juste derrière Kevin Trapp, le gardien parisien. On va donc faire un rapport d'équipe et on commence par Lopez. C'est juste un des meilleurs gardiens du championnat. 45 matchs joués, 20 matchs sans se prendre de buts. Toutes compétitions confondues, une note moyenne de 6,6. À 25 ans, il est très très bon. On s'était fait prêter Paul Nardi par Monaco. Il a joué quelques matchs. On avait acheté au mercato hivernal Aïssa Mendy 79 de Général pour 24 ans. Il a fait des matchs assez corrects. Et sinon, on a Raphaël, 25 ans, 77 de général, 31 matchs joués et 3 passes décisives. Samuel Umtiti est le patron de la défense, 80 de général. Il a pris un plus 1. À 22 ans, il a réalisé une très bonne saison, 6,5 de notes et 2 buts marqués. Kangam Biwa a aussi fait une bonne saison, pas comme en vrai, 27 ans, 78 de général. Bakary Koné, 28 ans, 73 de général, partira à Montpellier à l'expiration de son contrat. Dylan Mbougouni n'a pas joué avec nous, il a pris un plus 2. Inzo Rose a joué 19 matchs, 6,4 de notes, c'est tout de même pas mal de pouvoir s'appuyer sur un joueur assez jeune. Bisevac va partir, Morel est arrivé de Marseille et a joué quelques matchs. Yacabi a pris un plus 4 dans son prêt au Red Star, mais il n'a pas joué chez nous. Bedimo a pris un moins 1, Grimaldo a pris un plus 1, il est prêté à l'OL avec une option d'achat de 0€, donc normalement on pourrait l'avoir gratuitement en fin de saison, il a un petit peu baissé en physique. Nguini qui était prêté a pris un plus 1. Et il devient assez intéressant à 20 ans comme latéral gauche, mais il n'a pas joué dans son club. Maxime Gonalon, notre capitaine de 27 ans, 82 de général, est excellent. Il a réalisé une nouvelle fois une très bonne saison. 2 buts, 4 passes décisives. Sergi Darder est arrivé de Malaga en début de saison. 35 matchs, 5 buts, 2 passes décisives et une note moyenne de 6,4 pour le milieu de terrain espagnol. Une bonne saison. Fofana aussi a été très bon. 5 buts, 3 passes décisives, 6,6 de note moyenne. Tolisso a pris 1 plus 1. 32 matchs, 4 passes décisives et 6 de notes moyennes. Et on voit que ces statistiques sont toutes très bonnes. Jordan Ferry, 24 ans, 76 de général, a joué 27 matchs, 1 but, 4 passes décisives. Mwemba a pris un moins 1 et son contrat se termine bientôt. Lucas Toussard devient intéressant et il a pris un plus 3 durant son prêt au Blackburn Rovers et on voit qu'il a très bien évolué. Olivier Kemen a pris un plus 5 à son prêt à Luton Town et il a extrêmement bien évolué. On voit qu'il a pris des plus partout. Mathieu Valbuena, 31 ans, 81 de général, a fait une bonne saison, mais il commence à baisser un petit peu. 9 buts, 10 passes décisives. Malbranque a pris un moins 4 et il rejoindra Angers à la fin de son contrat. Le jeune Nouri a pris un plus 2 durant cette saison. 2 buts, 5 passes décisives en 24 matchs, c'est très bon. Et on voit qu'il a bien évolué. Clément Grenier a mis 3 buts et a fait 4 passes décisives en 38 matchs. À 25 ans, il a fait lui aussi une bonne saison. Beauvue a été un de nos meilleurs attaquants et il a pris un plus 1. 21 buts, 2 passes décisives en 42 matchs, 6,8 de notes. On passe enfin à Alexandre Lacazette, 24 ans, 84 de notes générales, 39 matchs, 17 buts, 5 passes décisives, une saison un peu décevante. Mais il n'a pas joué énormément et donc je vais essayer de le faire jouer plus la saison prochaine. Nabil Fekir a une note de 79 de général à 22 ans, 7 buts, 9 passes décisives en 41 matchs, c'est très décevant. 6,4 de notes, donc il a été bon, mais il n'a pas été très décisif en termes de buts et de passes décisives. Pourtant, il a des très très bonnes stats, on peut le voir ici. Et donc, on en attend plus de lui pour la saison prochaine. Maxwell Cornet, 26 matchs, 7 buts, 2 passes décisives, a été bon à 19 ans. 70 de général et il a pris 1 plus 2. Et on voit qu'il a bien augmenté. Mourpaï n'a pas joué avec nous et il a pris 1 plus 3. Gabriel a pris lui aussi 1 plus 3. 9 buts, 1 passe décisive en 29 matchs, c'est plutôt bon. Aldo Kalulu a pris 1 plus 3, mais il n'a pas joué avec nous et Labidi a fait un seul match. Grimaldo était en prêt avec une option d'achat de 0€ dans notre club et donc on va le faire signer pour 0€. On a fait une belle arnaque au Barça. On propose un salaire de 50 000€ pour le jeune joueur de 20 ans. Et on va ensuite proposer un contrat pro à un jeune joueur du centre de formation. On voit qu'il a un bon potentiel, évalué entre 80 et 94 de notes générales. On lui propose 500€ par semaine pour un contrat de 3 ans. C'est la fin de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on a terminé la saison. Un nul contre Reims, une victoire 3-1 contre Lorient, une défaite 1-0 imméritée contre Monaco et une victoire 2-0 contre Nice. La saison se termine donc sur une victoire en championnat. Proposez-moi des joueurs à acheter en commentaire. Pour améliorer l'équipe, n'oubliez pas que Nkoulou et Alisson viennent gratuitement en fin de saison, donc Nkoulou un défenseur central et Alisson un gardien, donc vous ne proposez pas des joueurs à ce poste-là. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Salut!